vous êtes là. Salut à tous, tout le monde est le dos, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, comme vous pouvez voir, on est dans mon studio. Non, absolument pas, on est dans ma chambre. Pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Pourquoi je fais une vidéo dans ma chambre? Alors j'ai dit que j'en ferais moins, bah j'en fais déjà moins, c'est clair. Parce que je peux vous présenter le dehors, si vous voulez, il fait plus beau, voilà, clairement. Aujourd'hui il pleut, je sais pas comment c'est possible qu'il pleuve aujourd'hui. J'avais prévu de tourner quelque chose dehors, mais apparemment bah ça va pas être possible. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que vous allez bien, j'ai plein de trucs à vous dire. Ouais je sais, vous allez dire, wow Mathias ton pull, waouh. Donc si vous voulez je vous mets un petit lien dans la description pour choper le pull, je crois il est plus disponible en pull, donc il y a le t-shirt et tout. Et franchement je le trouve super stylé, fresh hoodies, vraiment incroyable. Ta petite banane au milieu, ça fait tout, clairement ça fait tout. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je regarde vos wheeling, donc en tout cas n'hésitez pas à laisser plein de pouces bleus. Donc vous avez un petit défi de 1500 pouces bleus, ça ferait super plaisir. Donc je vais essayer de faire passer un maximum de personnes. Je vous ai dit sur Instagram de m'envoyer donc les vidéos sur mon mail que je vous affiche en bas de l'écran. Voilà, vous avez clairement été énormément à m'envoyer alors que j'ai laissé donc le post 1h je crois dans ma story. J'avais dit ça à 13h09, non à midi 9, et je vous ai dit vous avez jusqu'à 13h pour m'envoyer vos vidéos. Et clairement j'ai reçu genre 50 mails. Voilà, donc je vais essayer de faire passer un maximum de personnes le plus rapidement possible. Je vais essayer que la vidéo ne dure pas trop longtemps quand même. Mais je sais que vous aimez bien les épisodes de Jérôme Bowling. Là, je crois qu'on est au épisode 23. Je suis pas sûr. Un bail comme ça. Voilà, donc en tout cas, c'est parti. Ok, donc première personne, on a Azaria Off qui m'envoie sa petite vidéo sans rien m'écrire. Donc c'est parti, on va télécharger ça et puis on va regarder directement. Ok, let's go. Ok, donc c'est parti, c'est un edit. Ok, donc là, tu lèves... Ok, ça sent la bavette là dans le parking. Ok, super, petite bavette. Là, le swerve. Super. Sur le petit la pierre. Avec des pneus maxi, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, des petits pneus maxi. Ok, le no break. Main sur la potence. Ici, le petit one end. Ok, super, ça gère, ça gère. Ok, Siri qui s'active, super. Ok, le frame. Ouh, la chute, la chute, la chute, ok. Avec Ah ouais, t'es parti à l'hôpital carrément. Ah ouais. Ouais, j'ai pas bien vu ce qui t'est arrivé. Attends, comment t'as pu te péter quelque chose? Ok, ok, clairement ton pied. Oh, ok, ton pied. En fait, t'as tenté de poser tes genoux sur la selle, sauf que t'es parti sur le côté. Du coup, ça a fait une dinguerie et ton pied l'a fini. Ah, ton pied l'a fini comme ça, c'est une dinguerie. Ça va partir en miniature direct. Ok, bah merci beaucoup pour ta vidéo en tout cas. Et puis, bah j'espère que tu t'es bien rétabli. Je sais pas l'aide quand ta chute, tu m'as rien marqué. Mais en tout cas, voilà, soutien à toi. Et merci en tout cas de m'avoir envoyé ta vidéo. Ok, donc personne suivante, les gars. On a Matt Backlev qui m'envoie sa petite vidéo. C'est Mathias, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie mon wheeling pour ta vidéo. J'espère que ça va te plaire. Mon Insta, Matt Backlev. Et go les 50k pour toi mon gars, bah, ça ferait super plaisir qu'on monte en abonné les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit bouton rouge en bas, s'abonner. Ça ferait super plaisir d'activer la cloche pour être informé de chaque sortie de nouvelles vidéos. Et puis comme il dit, go 50k sur Insta, ça serait ouf, vraiment les 50k ça serait la moitié des 100k, là ça serait un palier de ouf énorme. Jamais dans ma vie je me serais dit que j'aurais les 50k, donc vraiment si ça serait possible, je vous remercierais du fond du cœur, vraiment. Là ça serait ouf, ce sera un gros montage, un gros concours, tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à aller me follow sur Instagram. Je vous affiche mon Instagram sur l'écran. Merci. Ok, même pas, c'est... Oh, what? Ok. Oh là les gars, on a un niveau de ouf. Attends, t'es vraiment debout sur ton vélo sans utiliser le frein? T'es un ouf, jamais dans ma vie je ferais ça. Mec, t'as un équilibre de malade. Oh. Sans les mains et tout, sans le frein, debout, sur la roue avant, sur la fourche, vraiment ouf mec, oufissime, c'est un truc de ouf, vraiment là. Voilà, je te mets 10 sur 10, 1000 sur 10, vraiment, genre t'as géré de ouf, ça fait 3 fois que je regarde, vraiment. T'as d'être ça gros. Là t'as le maximum là. Là je te donne mon respect carrément, là pour moi je suis nul. Pour moi, en face de ça, je suis nul, je suis éclaté gros, vraiment t'as niqué ça. Genre y'a pas beaucoup de gens qui savent faire ça sans... Y'en a, ils prennent le frein dans les mains, t'as même pas le frein, t'es un ouf. T'es vraiment trop fort, vraiment. Bravo. N'hésitez pas à aller follow sur Insta, je vous mets son Insta en bas de l'écran les gars. Allez-y en masse, là on a du lourd. Là aujourd'hui on a du lourd. En tout cas merci beaucoup à toi, vraiment ça fait plaisir. Là on a... Waouh, on a du lourd. Ok, donc après on a Adrien. Yo Mathias, je t'envoie ma vidéo de mon tout premier combo. Ok super, donc là on a un...
entre mes débutants quoi, son premier combo. J'ai recommencé un compte Insta parce que j'ai un nouveau vélo, donc SBX Big Flyer White 2020, ok super, qu'avant j'étais sur un Mafia il y a un an, ok t'avais un Mafia Bike, donc là SE c'est quand même mieux. Du coup si tu pourrais me donner de la force, voici mon Insta, @adrxn-bikes, ok donc n'hésitez pas à aller follow les gars, et PS l'edit complet est sur mon Insta, ok super, donc tu m'as envoyé peut-être un petit trailer de ton edit, on va voir ça, c'est parti. Alors, ouais, donc c'est ça, t'as le Big Flyer, donc le White. Ok, donc là tu filmes en GoPro, t'as fait un petit combo x2. Super, super. Tu continues, t'as repris le petit One End. Super. Tu montes sur la sec Nick Knock. Ah là, t'as pas dû reprendre. Ok, donc ton edit en entier sur Insta. Donc si vous voulez voir la suite de son edit, n'hésitez pas à aller le follow sur Instagram, aller regarder ses posts. Ça ferait super plaisir et merci beaucoup à toi de m'avoir envoyé ta vidéo. Suivant. On a 2W-du-bas officiel qui m'envoie là une petite vidéo de mon wheeling et de mon swerve. J'espère que je vais passer dans la vidéo s'il te plaît. Sinon, je kiffe tes vidéos quand tu fais comme ça et lâche rien. Bah, merci beaucoup, ça fait super plaisir vraiment. Et mon Insta, @AYMDIX20. Ok, donc ton nom est très compliqué quand même. C'est, j'ai pas galère, mais bon. Alors, ta petite vidéo, qu'est-ce que tu aurais pu nous proposer? Super, donc là tu lèves et tu m'as dit que c'était un swerve, t'arrives à fond. Ok, petit conseil pour le swerve, et n'hésite pas à être déjà plus proche, si t'as peur d'être proche, n'hésite pas à te rapprocher petit à petit, et plus te pencher. Là, clairement, en fait, t'as tourné droit, donc c'est quand même limite plus dur de tourner droit qu'en te penchant, donc essaye de tourner ton guidon avec tes fesses décalées d'un côté, comme ça le vélo il va se pencher, être sur le côté du pneu et donner un coup pour que ça tourne. Essaye déjà avec les deux roues de faire comme ça, tu fais des zigzags et après tu tentes à une roue. Et clairement ça sera donc beaucoup plus simple de faire des swerves et c'est beaucoup plus stylé parce que là clairement en fait tu tournes droit quoi on va dire. C'est un réflexe mais voilà. Essaye de te pencher, franchement ils seront beaucoup plus propres mais sinon c'était déjà super donc merci beaucoup à toi. Après on a Noah Moreau qui m'envoie « Yo Matches, dis-moi ce que j'ai à améliorer dans mes winnings, mon Insta noah.backlife-du-bas. » Ok super. Ok le petit swerve du bus, super. Qu'est-ce... Ok, le one foot. Qu'est-ce que tu vas nous faire à la fin? Ça sent le despin. Oh, j'étais trop chaud. Ok, despin. Ok, dommage. Alors, pour le despin, il faut clairement que tu donnes un plus grand coup avec ton pied par terre, je pense. Genre, tu te penches, tu donnes un coup et tu essaies de faire un tour complet. Parce que là, je vois que tu t'es laissé glisser et t'as pas trop donné le coup. Donc, essaye de donner un plus grand coup. Tu verras que ça sera plus simple. Et de repédaler à la fin pour repartir. Essaye de faire ça. C'est mon petit conseil. Mais en tout cas, sinon, c'est propre. Et n'hésite pas à me renvoyer une vidéo sur Insta ou pour le prochain jeu regarde vos wheelings si t'as à faire le despin. Voilà. Suivant, on a Claudia qui m'envoie si pas trop, je t'envoie mon wheeling, j'espère passer dans ta vidéo, mon Insta, @sam-schne. Donc le frame, click knock, ça reprend tranquillement. Ok, directement, là tu m'as mis une vidéo, c'était au concret direct. Là t'as tout donné directement, donc super, bah click knock, hein, tu l'as super bien rentré. Bah j'ai rien à dire, après n'hésite pas à essayer d'autres figures, criss-cross, donc croiser les pieds, knee-side, donc knee-knock et tu slide, essaye des trucs comme ça, mais sinon c'était cool. Suivant, on a Ezap qui m'envoie une patroche, je t'envoie une edit training genou et pied-selle, j'espère que ça te plaira, quand tu es comme ça tu gères mon Insta, @bl-lorenzo. Là, tu fais donc du frame, si je me trompe pas, tu montes debout sur la selle, ok, vas-tu reprendre les pédales, non dommage, parce que ta pédale était en bas, faut que tu essayes de les mettre au bon endroit, là, frame, genou sur la selle, ok, déjà essaye de te mettre dans un endroit qui est un peu plus large, un peu plus grand pour avoir plus de vitesse, là, t'as pas la roue avant, tu nous as lâché un one end, super, ok, donc t'as un rock rider, ok, ok, ça gère, ton petit edit, là, ok, ouais, donc c'est quand même compliqué de mettre le genou comme ça et ne pas enlever l'autre et tout. Tu perds beaucoup de vitesse, tu te penches beaucoup en arrière. Ok, le swerve, ok, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ta vidéo, ça fait super plaisir. Bah, continue à t'entraîner, tu verras qu'en t'entraînant, bah, c'est comme ça que tu vas réussir. C'est comme tout le monde, hein, y a pas de magie, faut s'entraîner, mais n'hésite pas à mieux caler ton genou, genre plus de côté, parce que là, tu le mets droit. Et c'est vrai que j'ai vu que t'es grave parti en arrière, donc du coup, t'as beaucoup freiné, t'as beaucoup perdu ta vitesse. Après, on a Backlife CBD qui m'envoie « Wesh Mathias, bien, je t'envoie une vidéo regroupant les meilleurs clips que j'ai sur mon téléphone, donc ce que tu vas voir n'est pas mon meilleur niveau. Sinon, je peux mettre combo x5. » Ok, super, c'est bien.
Bon, j'espère que cette vidéo te plaira et bonne vidéo à tous. Mon Insta BacklifeCBD et ma chaîne YouTube BacklifeCBD, c'est pareil, comme d'habitude, on change pas. T'es souvent là sur les jeux organo bowling, t'es actif et ça, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Oh, le swerve demi-tour incroyable, bien bien penché, la criss-cross en frame, tu montes sur la selle, tu reprends, super, c'est très clean. Là on a un, ok, pied sur le pédalier, pied sur le frame, tu montes, tu reprends, super. T'es chaud, hein, franchement, t'as un équilibre de ouf parce que tu mets pas d'à-coup avec le frein. Ok, super, tu montes sur la selle, vraiment. Oh, ah ouais, cette figure. quand tu te mets assis sur le guidon, ça c'est chaud. Ah là, ça, ça passe mieux, voilà, super, c'est ce qu'on veut. Même si tu tombes, tu continues. Ok, la bavette. Ok, bah super, franchement, t'as un niveau de ouf, ça fait super plaisir de voir des gens comme ça en VTT qui ont un bon niveau en France. Donc continue comme ça, n'hésite pas à peut-être prendre plus de vitesse pour essayer de faire des combos plus longs, plus propres. Mais c'est déjà super propre, hein. Franchement, t'as pas d'à-coup avec ton frein et c'est vraiment ça qui est le plus important. Après, on a Jersey-LK qui m'envoie sa petite vidéo. On va regarder ça. Est-ce que je peux la télécharger? Ok, c'est parti. Ok, le petit GT. Oh, ok, le saut pied croisé pegs. Super. Ok, toi, t'es chaud. Le petit combo. Ça continue, d'accord. Pied croisé, pédale, tu vas sauter, tu vas... Ok, ce trick-là, je le tente. Putain, t'es chaud, hein. Pied croisé, pédale, tu sautes, tu décroises sur les pegs. Vraiment super stylé. Là, on a du niveau, les gars. Ok. Ah, les petits mouvements de genoux à la BSDL. Super stylé, vraiment. Ah, tu gères de ouf, hein. C'est exactement ce que je tente. Là, t'as tout mis ce que je tente. Tu m'as niqué, là. Clairement, c'est exactement l'edit que j'aurais aimé sortir. Genre, décroisement des pieds, pédale pour aller sur les pegs. Les jeux de genoux sur la selle. Mais à non, vraiment, t'es super chaud, vraiment. C'est parfait. C'est parfait, vraiment. Rien à dire, mec. Tu m'as mis un gros niveau dans ma vidéo, là. Merci beaucoup. Continue comme ça. N'hésitez pas à aller vous abonner à son Insta. Bon, je vais prendre une dernière personne. Ah, vraiment, je vous ai beaucoup à m'avoir envoyé. Vous êtes vraiment super sympa. Donc, je vais garder les clips. Tous ceux qui m'ont envoyé. La prochaine fois, je redemanderai pas de clips. Et je garderai, du coup... Enfin, je prendrai ceux qui m'ont envoyé et qui sont pas passés parce qu'il me reste au moins, je vous assure, genre 30-40 vidéos là. En tout cas, merci beaucoup vraiment à tous ceux qui m'ont envoyé. Donc, on va faire passer une dernière personne. Je vais prendre au pif. On a ici Paul qui m'envoie. Mathias, je t'envoie une bavette de mon pote Insta Max du bas BKL qui l'a faite avec mon Blocks Flyer. Ok, super. Donc, continue, force à toi, merci beaucoup. Et mon Insta. P-BKL. Ok, donc c'est ton pote, tu m'as dit qu'elle fait une bavette avec ton Blocks Flyer. Donc Blocks Flyer qui est un S-Bex en 26 pouces, si je me trompe pas. Ok, le bleu. Ah oui, le. Oh! Wesh! Il l'a tenu de ouf la bavette avec un Blocks Flyer. On fera un patin là? En plus, c'est le Blocks Flyer, le bleu, il est super stylé celui-là. Ok, il a tenu genre la bavette pendant 2 secondes dans le parking, sans gants et tout. Franchement, rien à dire, donc n'hésitez pas à aller le follow. Et voilà. En tout cas les gars, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des vidéos, ça fait super plaisir, on est de plus en plus sur la chaîne, sur Insta, sur TikTok, partout, n'hésitez pas à les suivre, vous avez tout dans la description, mon Insnap, mon TikTok, mon Insta, ma chaîne YouTube même si vous êtes déjà dessus, n'hésitez pas à vous abonner, à partager dans vos stories, partout, ça ferait vraiment super plaisir, à mettre des commentaires, à me dire si vous avez kiffé la vidéo, c'est les retours, c'est vraiment, bah c'est la récompense quoi, moi je vous fais des vidéos, s'il y a des retours, il n'y a rien de mieux. Voilà, donc en tout cas j'espère que vous aurez kiffé la vidéo et sur je sais pas quoi on va se laisser une transition. Ok, je vais disparaître, 3, 2, 1. Allez.